qui a le royaume de la poêle et de la friture. Qu'est-ce qu'il leur faudra? On voudrait deux plats du jour. T'es d'accord, chérie? Oh, c'est comme tu veux, mon choupinet, tu connais mes goûts. On est en lune de miel. Chacun trouve son bonheur où il peut. Ils ont donc commandé deux jours. Oui, et une courgette farcie. Pour deux. En cuisine, on me prépare deux indigestions et une matraque farcie pour la table douce. Bon, d'accord, je reconnais que c'était une bonne idée. Quand vas-tu reconnaître que toutes mes idées sont de bonnes idées? Bah, c'est marrant parce que je trouvais que votre escapade dans la jungle, votre safari avec les jaguars, vos mensonges pour que je vous ramène au palais, c'était toutes de très mauvaises idées. Évidemment, dit comme ça, tout peut avoir l'air négatif. Chaud devant, deux maxi gastéropodes pour nos deux amoureux. Mazel tov. Oh pétard. Bougez pas, je vous le prépare. Vous allez où? Je vais faire un tour à la cuisine et dire deux mots au chef. Vous allez vous faire mettre à la porte? Allons, déguisé comme ça, je suis invisible. Ça fait je ne sais combien de temps qu'on tourne en rond. C'est la dernière fois qu'on suit les indications d'un écureuil. Oh, j'aurais dû me débarrasser de Cusco moi-même quand j'en ai eu l'occasion. Oh, tu te fais du mal, arrête de te flageller à propos de tout ça. Oh, bouge pas, je vais t'en chercher une autre. C'est ça. Tu tires de cette fourchette, ami. Hey, on se connaît, non? Non, je crois pas. On a fait de la lutte à l'école. Oh non, je m'en serais souvenu. Non, travaux pratiques. Ah, non. Oh, je sais, les cours de danse contemporaine, j'ai fait deux trimestres. Je restais souvent au fond à cause de mes chevilles trop faibles. Oh. Allez, mon vieux, faut m'aider à retrouver. Non, écoute, je crois pas qu'on se soit déjà vu, mais désolé, il faut que j'y aille. T'inquiète pas, j'y réfléchis. En un mot, la nourriture avait l'air douteuse. Mmh. Et à mon avis, je ne suis pas seul à penser ça. Hey. Alors je viens m'assurer que tu auras à cœur d'élever le débat culinaire. Y a-t-il quelque chose dans ce menu qui ne baigne pas dans l'huile? Je vais parler au chef. La question est pourtant simple. Y a-t-il ou n'y a-t-il pas quelque chose de mangeable dans ce menu? Hé, j'ai pas eu le temps de parler du dessert. Hé, chef, c'est quoi la politique maison sur les commandes spéciales? La coupe est pleine, j'arrête tout. Vous voulez du spécial, faites-le vous-même, je remballe. Oui, mais... J'essaie, je m'acharne, et mon concept gastronomique, tout le monde s'en fiche. Alors, basta, je suis un visionnaire, moi, monsieur. En cuisine, trois complètes au porc, supplément de bacon, deux chilis au fromage, un foie grillé avec un rouleau aux oignons, un poisson du jour, un steak taillé en forme de truite. T'as tout suivi, mon chou? Trois porcidés habillés, jambon à pouce au vent, un petit déjeuner de grand-mère édenté, un steak sans arrêt, ça roule. Mais qu'est-ce qui se passe? Je peux pas vous expliquer, il faut qu'on sorte d'ici. Mais qu'est-ce qu'il fiche en cuisine? Allons-y. Hé, minute, j'ai pas mangé, moi. Non, Cusco! Bon, je te la fais simple, je veux une omelette aux épinards sur pain complet. C'est noté? Ça marche! Pourquoi on me fait attendre? On l'envoie! Cran! Qu'est-ce que tu fabriques? Occupé! Pourquoi ça ne m'étonne pas? Allez, on l'envoie! Bon, parfait. Pendant que tu y es, fais-moi un plat du jour. Et pas trop d'huile, si possible. Ça marche. On l'envoie! Tout compte fait, j'ai changé d'avis. Au lieu d'une omelette, je prendrai un chi. Un chi, ça marche. Cran! Oh. Je peux avoir des patates dans une assiette à côté? Pour les patates, tu auras un supplément. Oh. Et si tu me faisais une petite assiette de patates? Ça marche. Veux-tu du fromage sur tes patates? Merci, Cronk. Du gruyère, ça fera l'affaire. Patate au gruyère, c'est parti. Patate, oui, fromage, non. Sans fromage. Non, je veux du fromage. Avec fromage. J'aime pas le fromage. Sans fromage. Avec fromage. Mais bon, alors avec ou sans fromage? D'accord. Tout bien réfléchi. Fais-moi une salade de pommes de terre. Excusez-moi. Oui, madame. Oui, apportez un gâteau. Pas de problème, mon chou, on fait ça tout le temps. Un, deux, trois, quatre, joyeux anniversaire, soufflerons des bougies. Si c'était notre fête, on soufflerait aussi. Joyeux anniversaire, que tes vœux prennent vie. Si c'était notre fête, on soufflerait. C'est ton anniversaire. Mais qu'est-ce que tu...